Qu'est-ce que... Je suis revenu. Je suis revenu. Mais... mes vêtements? Mon micro? Qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour Sky, enchantée. Je suis Clémence Godefroy. Bienvenue dans la quatrième dimension. Oh bah bravo. Donc si je comprends bien, tout ça c'est juste une projection astrale de mes souvenirs antérieurs? C'est bien ça. Et les robots ninja dans tout ça? Des robots sans âme et sans scrupules. Mais n'ayez crainte, ils n'ont aucun accès au pays imaginaire. Où donc? Mais vous êtes quoi au juste? Je suis autrice des cultures de l'imaginaire. Nous suivons vos aventures avec beaucoup d'intérêt. Nous? Vous êtes très populaire ici. Mais c'est quoi ces ninjas automates? Et pourquoi ils en ont après moi? Eh bien, disons qu'ils font partie de votre histoire. Bon, très bien. Vous voulez pas m'en dire davantage? Donc, vous êtes autrice. Et vous écrivez quoi exactement? Qu'est-ce qui vous plairait d'entendre? Les légendes d'Higashi ou les intrigues d'Eros Automaton? Et si on commençait par nos chers automates? Alors, Eros Automaton, ça se passe dans un Paris de la Belle Époque un peu alternatif, c'est-à-dire où il y a des automates. Ces automates font surtout partie de la belle société, puisque c'est des objets de luxe que les gens avec beaucoup d'argent se payent. Et au début de l'histoire, en fait, il y a un attentat qui est commis contre des automates, spécifiquement ciblant les automates. Et donc on va suivre l'enquête de l'inspecteur qui essaie de savoir qui a fait cet attentat, qui est à l'origine de cette attaque, et aussi une de ses amies qui, elle, va être recrutée par une grande firme de création d'automates pour travailler sur un projet d'envergure. Voilà. Et donc on aura les deux côtés de l'existence des automates, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils sont créés, et aussi quel problème éthique est-ce qu'il pose dans cette société. Comment est né ce désir de situer Eros Automaton dans une société uchronique à connotation steampunk? Alors, à la base, c'était vraiment esthétique, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours été très fan de la mode du 19e siècle, voilà, des immeubles haussmanniens, enfin voilà, je suis très fan de l'esthétique du 19e siècle, donc c'est parti de là. J'ai quand même réfléchi à l'idée de robots qui ressemblent à des humains me fascine. J'ai lu pas mal de bouquins et vu pas mal de séries qui tournent autour de ça. Et donc en fait, j'ai juste mis les deux ensemble pour créer l'univers d'Eros Automaton. Dans le roman, on parle d'automates et non de robots. Quelle est la différence? Alors, pour moi, déjà le mot robot n'est pas dit du tout dans le livre, ou alors très très peu, et sûrement pas pour parler des automates. Pour moi, la différence, c'est vraiment que un robot, c'est juste une machine animée. C'est-à-dire que, par exemple, un robot mixeur, ça ne ressemble pas à un humain, c'est juste quelque chose qui mixe quand on appuie sur un bouton. Pour moi, un automate, il y avait un côté humanoïde, et ensuite que c'est un bel objet. C'est-à-dire que tout le but des automates dans la société d'Eros Automaton, c'est pas du tout de faire des travaux que les humains veulent pas faire, ou du labeur, de nettoyer la vaisselle, enfin voilà, c'est pas du tout pour ça qu'ils ont été créés. C'est parce qu'ils sont beaux et parce qu'ils coûtent cher, et donc c'est des objets de prestige, où il y a une grande dimension esthétique. Donc pour moi, le côté esthétique des automates était reflété dans le terme que j'utilisais pour les définir. Quels ont été les premiers écrits sur la robotisation? Quelle en a été son évolution? Alors, la robotisation, ça dépend ce qu'on appelle la robotisation, puisque par exemple des écrits ou des histoires sur des objets inanimés différents moyens deviennent animés et deviennent humains, pourvus d'une âme, il y en a depuis l'Antiquité. C'est-à-dire que même dans la Bible, il y a des récits où ça arrive. Le mythe de Pygmalion, c'est ça en fait. C'est une statue en pierre auquel on donne un souffle de vie, donc il devient humaine. Et la légende du golem, par exemple, il y a aussi cette idée de créer de toutes parts une chose à partir de matière inanimée qui devient animée.
Après, le mot robot vient plutôt et un peu plus récent, au début 20e siècle, en 1920, d'un auteur tchèque qu'il a utilisé dans une de ses nouvelles. Selon vous, les robots sont-ils une bonne chose dans notre société ? Ça, c'est une très bonne question. Encore une fois, ça dépend ce qu'on appelle des robots, c'est-à-dire que les machines qu'on utilise dans notre quotidien, l'aspirateur, le robot mixeur et tout ça, c'est extrêmement utile. Ça nous permet de gagner beaucoup de temps sur des tâches qui sont à la base nécessaires mais relativement fastidieuses. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Je trouve que les ordinateurs, l'intelligence artificielle, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. On s'en sert pour de bonnes raisons. L'idée que l'humain pourrait être remplacé par des machines ou bien qu'on pourrait devenir mi-humain et mi-robot, et c'est sûr que ça, c'est des choses qui font un peu peur. Mais je pense quand même que justement, les récits de science-fiction et les récits, toute la réflexion qu'il y a autour de ça, nous permet de prendre de la distance avec ça, nous permet de réfléchir vraiment à toutes les conséquences éthiques et morales qu'ont ce genre de technologie. Vous avez écrit également Les héritiers d'Higashi, dont le récit se situe dans un Japon plutôt fantastique. Quelle en est l'intrigue ? Alors, Les héritiers d'Higashi, là, pour le coup, on est plus dans de la fantasy. L'intrigue des héritiers d'Higashi, c'est que dans ce Japon, encore une fois, Japon alternatif, il y a des familles qui ont hérité des pouvoirs des bakemono, donc c'est-à-dire des créatures qui peuvent passer d'animal à humain, en fait, se métamorphoser dans un sens ou l'autre. Et donc ces lignées ont reçu des pouvoirs spéciaux par rapport à leurs ancêtres bakemono. À peu près 100 ans avant le début de l'histoire, les renards roux, donc les Nodetsune, ont pris le pouvoir et ont décimé les autres lignées de bakemono pour s'assurer la mainmise sur Higashi. Sauf qu'évidemment, ils ne sont pas tous morts, et ils vont se retrouver, essayer de reprendre le dessus, et donc ça va donner lieu à beaucoup d'aventures pour tous ces héritiers d'Higashi, les héritiers des bakemono. Pourquoi avoir orienté l'histoire autour du folklore fantastique nippon ? Quelles ont été vos inspirations ? J'aime beaucoup le folklore japonais. Ma sœur est professeure de japonais à l'INALCO et elle a vécu au Japon. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir aller la voir là-bas. Et donc j'ai découvert par son intermédiaire et par mes voyages au Japon le folklore japonais qui m'a enchantée. Et je dirais que mes deux sources aussi d'inspiration, à peu près à la même époque, quand ma sœur habitait là-bas, déjà Miyazaki, bien sûr, Le Voyage de Chihiro, qui a été vraiment un des films qui m'a le plus marqué au niveau esthétique, même au niveau univers, où il y a beaucoup, beaucoup de folklore japonais, mais il y en a d'autres de Miyazaki qui sont aussi très imprégnés de folklore, par exemple Pompoko, qui est un petit peu moins connu, mais que j'aime beaucoup aussi. Je suis super fan des films de Miyazaki, donc ça a été vraiment une énorme influence sur moi. Et j'ai aussi Naruto, quand j'avais la vingtaine, j'étais super fan de Naruto. Je trouve que c'est une super histoire, il y a plein de personnages hyper divers. C'est du shonen standard dans la façon dont l'histoire se déroule, mais c'est hyper sympa en fait comme univers, et j'aimais beaucoup l'idée de ce jeune garçon qui est imprégné de l'esprit du Kyubi. Je trouvais ça super. Donc ça a aussi été une inspiration pour moi. En tant qu'écrivain, y a-t-il une trame spécifique à suivre lorsqu'on écrit un roman ? Quelles sont les idées à développer et les pièges à éviter ? Je pense que ça dépend vraiment de l'auteur ou de l'autrice. Je parlerai que pour moi, parce que je pense pas qu'il y ait de formule magique pour écrire des bouquins. C'est tellement personnel comme démarche, en fait, que je pense qu'on n'a pas du tout la même façon de travailler. Le piège dans lequel je tombe quelquefois, c'est d'avoir le monde, d'avoir les personnages, mais de pas assez réfléchir à l'intrigue et pourquoi ils doivent aller de ce point A à ce point B, par exemple. Donc ça m'aide beaucoup personnellement de savoir déjà ce qui va se passer à la fin et de faire un chapitrage assez précis de ce qu'ils doivent faire et où est-ce qu'ils doivent aller, ne pas perdre de vue l'action et le fil conducteur.
Sinon, les idées à développer, je pense qu'aussi ça dépend beaucoup des gens, parce que y en a qui préfèrent développer des mondes hyper complexes ou des idées qui vont très loin au niveau philosophique, etc. Moi, je suis pas trop comme ça. J'aime bien quand mon monde est bien bâti, mais en fait, ce que je veux surtout, c'est m'amuser avec les personnages. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de mettre les personnages dans des situations difficiles et voir comment ils vont réagir et voir quelles émotions ils vont vivre. Donc, je suis beaucoup plus focalisée là-dessus. Donc, ça, c'est plutôt ce que moi j'ai tendance à développer. Et d'ailleurs, les gens qui ont lu mes romans savent qu'il y a beaucoup de romance dedans, parce que j'aime beaucoup la romance en général. Et j'aime bien avoir des intrigues amoureuses en même temps que le reste. Voilà. Pour terminer, Clémence, les automates rêvent-ils de moutons à vapeur ? Alors, c'est toute la question. Dans Heroes Automaton, en fait, l'une des choses qu'on découvre pendant l'histoire, c'est qu'il est possible que certains d'entre eux commencent à être pourvus d'une intelligence ou d'une conscience suffisante pour prendre des décisions qui vont à l'encontre de celles de leur maître. Alors, j'en dis pas plus, mais dans la suite qui viendra après Heroes Automaton, que j'ai commencé à écrire, Thanatos Automaton, on va justement vraiment plonger beaucoup plus loin dans ce sujet-là. Merci beaucoup, Clémence. Avec plaisir. L'émission touche à sa fin. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour une nouvelle aventure rétro-futuriste. Juste une petite question, Clémence. En tant qu'écrivain, serait-il possible de m'envoyer directement au chapitre final ? Ce serait bien dommage, mon cher Sky. Je me disais bien aussi. Yippee-yay, there'll be no wedding bells for today. I got spurs that jingle, jangle, jingle. Jingle, jangle. As I go riding merrily along. Jingle, jangle. And they sing, oh, ain't you glad you're single? Jingle, jangle. And that song ain't so very far from wrong. Allez mon gars, bouge de là! Je dois me rendre à New Vegas pour assister à un show exceptionnel et tu me bloques le passage! De plus, j'ai rendez-vous pour réaliser des interviews exclusives pour mes prochaines émissions! C'est pas le moment d'arriver en retard! Two.